Nous remercions RIA, qui est un multinational, qui a cru dans la Poste, éventuellement, pour pouvoir rester avec nous, parce qu'il aurait pu avoir notre partenaire en attendant. Mais là, nous sommes le seul représentatif de RIA et que nous voulons éventuellement capitaliser pour pouvoir exploiter le service de transfert d'argent, tant avec des expatriés ou bien des migrant workers de Maurice vers l'étranger que de l'étranger à Maurice. Il y a une grande demande dans plusieurs pays pour le transfert d'argent vers les familles à Maurice. Donc, comme nous avons lâché là avec le testing system et aujourd'hui, nous avons eu déjà plusieurs personnes qui se sont adressées au guichet de RIA en Angleterre, en France, au Burundi, pour les étudiants, et veulent transférer de l'argent pour Maurice. Pourquoi RIA? C'est la troisième compagnie du monde. Les deux concurrents sont déjà là. Donc il fallait trouver quelque chose de grand. Et automatiquement, RIA, qui est une compagnie américaine multinationale, listée sur la Nasdaq éventuellement, donc très fidèle à la governance, compliance et lutte contre le blanchiment d'argent, ben, nous serons, je peux vous dire, online real-time avec la banque de Maurice. Hein. Quels sont les premiers bureaux de poste qui vont venir de service? Ben là, il y a pour lui ici, il y a Grand B, il y a Flac, il y a Cupip, Rosier, les quatre bords. Là, à partir d'aujourd'hui, là, ils sont déjà live and direct là. Alors, il y aura sept qu'on est en train de travailler encore dans les jours à venir pour pouvoir répondre. Et bien sûr, tout ça marche avec la licence aussi de la Banque centrale. Il faut aller graduellement. Notre objectif, c'est éventuellement d'être au plus près de la population. Maintenant, il faut être réaliste justement dans ce concept, parce que chaque investissement coûte de l'argent, comme tu dirais, non seulement au niveau système, le système est là, mais au niveau licence aussi. Alors, il faut voir quel est le cost-benefit analysis de chaque situation. Mais Maurice est un petit, si nous avons une vingtaine de hubs qui contrôlent 5 bureaux de poste, nous sommes arrivés à 100. Et nous n'allons bien sûr pas oublier Rodrigue, éventuellement, dans l'équation. Hein. Il y a pourtant qui nous préserve un patrimoine qui appelle la Poste. Et c'est ça qui nous met dans l'objectif, nous faisons réinventer la Poste avec un nouveau service. Effectivement, le RIA Fintom à PIC, bon, c'était un projet qui l'a depuis longtemps, mais finit tout le temps stagné. On va comprendre que personne ne va trop sur l'importance. Moi, fin donne tout mon coup de main et à la Poste, et surtout pour préparer le dossier et pour qu'ils soient capables de faire les gains de licence nécessaires. Après, ce n'était pas une bataille facile, mais je finis de respecter tous les critères et je dis officiellement, je peux ouvrir votre Money Exchange Transfer. Il est venu d'amener d'autres projets en cours qui sont en tête, mais aujourd'hui, ça pour permettre la Poste aussi, parce que tout business, c'est une question de rentrer et de sortir de sous. Et moi, penser à travers ce système-là, la Poste pour capable vraiment augmenter sa profitabilité et surtout préserve tout ça, mon employé qui l'a pour sentir autres, aujourd'hui rassuré, que vraiment la Poste peut réinventer. Et aujourd'hui, One Sir William Newton, c'est un landmark, et aussi qui montrait que la Poste est dans son propre local et dans une prime position et que la Poste permet une business pour move forward vers le digital Poste qui nous permet envie d'achever. La Poste des logistiques qui est en place et qui nous capable de servir pour faciliter la vie de tous les Mauriciens. Et la Poste commence à travailler là, nous capable d'annoncer autres lits qu'ils ont 10 euros, un quelqu'un de chez lui, même quand ils sont dans un bureau, ils ont envie d'acheter quelque chose, ils ont besoin de ranger le magasin pour acheter lits aujourd'hui. Bon, bientôt, dans l'avenir, ils ont capable d'acheter lits online et la Poste pour prendre la responsabilité pour take delivery of the goods des magasins concernés et pour venir livrer lits autour sur votre lieu de travail. Et sans qu'il vous fasse le déplacement, sans qu'il vous quitte au travail, sans qu'il vous dérange au travail, vous faites gagner au produit devant la porte, dans la main. Vous pouvez même travailler qui demain, le client qui n'a pas fait le paiement de chez. C'est-à-dire que quand la poste est livrée, il paye là-bas même avec son code de crédit ou en liquide. Et tout ça, le service de mettre en place pour le citoyen mauricien.